Quel itinéraire de Willery avec tous les membres du MLC? Maintenant, on vient de me jeter des gaz lacrymogènes. Il doit partir. Exactement. Parce que la démocratie n'est plus au Congo. J'exerce mon droit. Mes enfants, je mets en garde Kabila. Si un seul de mes enfants est touché, ou mon mari, ou les militants de mon parti, il ne va pas terminer son mandat. Mes enfants, Kabila est en train de tuer la population à Beni. Il ne veut pas que nous manifestons pour protéger la population de Beni. Maman, assieds-toi. Nous sommes en train de venir sur Willery. Oui. Bon, je suis à l'aise, je sais que c'est l'itinéraire qu'ils ont voulu. On dépasse quand Fungo là. Je vois venir vers Maman Mobutu là, centre féminin Maman Mobutu. Les policiers avec leur accoutrement un peu compliqué là. Oui, ils ont les antibales. Voilà. Ils ont commencé pas à lancer des gaz lacrymogènes. Bon. Moi, je dis juste aux militants, calmez-vous, c'est pas grave. J'ai dit, Guerengo, va leur dire, nous prenons la droite, c'est pour aller vers le terrain recommandé par le terrain de Maman. Mais ça devenait de plus en plus sérieux. Alors, dès les quelques minutes qui suivaient, j'ai compris que la stratégie, c'était m'isoler. Parce qu'après, quand ils lancent... Oui, puisque nous, ils nous attaquent, si au même moment, c'est 24, nous nous disons, bon, ok, c'était très bien. On va aller là où c'était autorisé, mais on va là-bas, c'était encore pire. Pire. On me dit que maman vient de tomber, on voilà. A tiré sirène. On maintenant, quand les gens... Là-bas, la frôlée à côté. Tous sont partis, c'est ça. On voit quand même que la jambe est gonflée. Hein. La jambe était bien gonflée, elle est lourde, elle est chaude. Alors, quand les gens sont partis, j'ai entendu dans le méandre, là, dans le groupe de policiers, dire, parce qu'on était proches, « Yewana, Yewana !» Ah ouais. Réflexe à moi dans Soudan, c'est qu'on m'identifie négativement. Voilà. Et les minutes qui suivaient, j'ai entendu clac, clac, clac. Et j'ai bien vu quelqu'un chargé me pointer à bout portant. Alors, je me suis juste retourné. J'étais avec Bienvenue Bambale. Oui. Retourné, il m'a projeté. Je suis tombé. Alors, comme je suis tombé par le ventre, vous voyez les réflexes, la jambe monte par derrière. C'est à ce moment-là, comme il faisait ça, pam, 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 pam. Je n'ai pas senti que j'étais blessé. Ah non, la balle. Juste. La chaleur, et puis j'ai regardé, j'ai vu couler du sang. Ah, je suis blessé. Maintenant, maman, courant, je ne pouvais plus. La jambe est devenue lourde à traîner. Elle est gonflée. Lourde à traîner. Et ils ont fait un effort, me tirer. J'ai dit, alors j'ai cherché papa, mon mari, et où les enfants? Et le garçon qui dit, maman, je suis là, tiens bon. Il dit, maman, je suis là, tiens bon. Et il y a le véhicule de Bienvenue qui était là. On m'a poussé dans la camionnette. On allait, je ne pouvais même pas m'asseoir. Les garçons me disent, maman, essaie de t'asseoir. Moi, je dis, non, c'est pas possible. On m'a amené quelque part parce qu'on ne pouvait pas aller dans un hôpital. J'avais pas confiance. On a appelé un personnel soignant. Ils ont regardé. Tu vas rester avec ça comme ça. Bon, ils ont suturé quand même. Ils sont situés. Demain matin. Et restez avec les médecins. Notre compassion. Donc, c'est ça. C'est Dieu. J'ai dénoncé. Puisque tu passais aujourd'hui, tu mourrais. Oui. Tu mourrais. Parce que j'ai entendu moi-même. Enfin, on allait tous mourir. Puisque on ne peut pas comprendre qu'un gouverneur de la ville dise, même s'il y a changement d'itinéraire, toi, j'ai fait même te condamner. Pourquoi maman, elle respecte l'itinéraire? J'ai dit, bon, ok, comme nous, on a tiré sur nous. Alors, les jeunes, maman Eve, tu avais beaucoup de mes appels à l'absence. Oui. C'était pour te dire, est-ce que tu es arrivé si le lieu de l'Assemblement dit non, c'est une fillette, je crois, une de tes collaboratrices qui me répond, non, babette, maman, ma sasse, babette, maman, ma sasse. Et voilà. Donc, nous sommes dans un régime sanguinaire. On ne peut pas, au niveau de la voix du peuple, c'est Kanyama qui bloque.
Il était et là. Puis, non, d'abord, après il bloque. Après, il dit. Kanyama, on l'a vu entrer. Lui est vice. Et Kanyama, lui, il dit non, 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 vous pouvez passer. Et mais pour, c'était pour nous attirer dans une nasse. Et pourtant, Kanyama. 500 mètres dit, plus tard, on tire sur nous. Voilà, Kanyama avait dit celui qui ne respecte pas la loi ne mérite pas le respect. Moi, je leur rends l'ascenseur. Non, non, ça ne va pas. Et Kanyama. Il ne respecte pas la loi, il ne mérite pas de respect. Non, non, on ne va pas rester là. On va porter plainte. Il n'y a pas que ton cas, il y a des cas, les gens qui sont morts. Les gens qui sont morts à Boutembo. La démocratie n'est plus au Congo. J'exerce mon droit. Monsieur, 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 mes enfants, je mets en garde Kabila. Si un seul de mes enfants est touché, pour le militant de vos partis, il ne va pas terminer son mandat. Mes enfants. Terrible. Kabila est en train de tuer la population à Beni. Il ne veut pas que nous manifestons pour protéger la population de Beni. Maman, 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 tu comprends pas. Maman, si t'as attention, attention, attention. Maman, maman, aujourd'hui, les deux, il n'y a que ça. Maman, 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 maman. Ton papa est mort. Il faut bien. C'est quand même terrible. Ça, c'est toi qui filmes. Maman, assieds-toi, essaie de t'asseoir. C'est incroyable. Bon, tu vas nous envoyer ça. Bien sûr, c'est pas bon. C'est terrible, hein. Non, ça dit, moi, je crois. La plaie, quand on était en train de. Ah, montre un peu l'endroit. Reviens, quoi. Non, montre d'abord la plaie. Wow. Là, c'est lorsqu'on a essuyé avec le sang. Il y en avait plein. Là, c'est lorsqu'on a essuyé. Le sang de Jésus. Le miracle de Jésus. Là, c'est la maman là où la maison, nous sommes arrivés. Nous on cherchait la joie. C'est la maman maintenant émotionnée. Et là, le président Kabila va dire que c'est une mise en scène. Hein. C'est incroyable ça. Moi, quand j'entends les gens dire oui, les leaders ne sont plus proches des peuples, ils veulent que nous mourions tous. Non, non. Ça, c'est Dieu qui t'a protégé. Je mets la communauté nationale internationale à témoin. J'ai demandé l'autorisation de faire une marche pour le respect de la Constitution et pour la protection de nos populations à Beni. Et j'ai respecté la loi. L'inspecteur provincial Kanyama avait dit celui qui ne respecte pas la loi ne mérite pas personne. Moi je respecte. Oh, les gars, maintenant je n'ai pas de respect. Mon parti n'a pas de respect. Alors, le président Kabila. Le président Kabila doit savoir que Kanyama a dit celui qui ne respecte pas la loi ne mérite pas de respect. J'ai respecté l'itinéraire prévu par la ville avant même d'arriver au point de chute. On nous a lancé des gaz lacrymogènes, on a tiré à balles réelles. Je sais que je suis blessé au pied, mais je m'occupe de mon mari, je ne le vois pas, mes enfants, ainsi que certains d'autres militants. Les cadres du parti, je ne vois pas les cadres du parti. Je ne vois pas les cadres du parti. La résidence. Ça, c'est la preuve maintenant que le Congo, avec Kabila, est devenu un état voyou. Ça, c'est la preuve par neuf. Même pour les personnes qui respectent la loi, ils n'ont aucun devant, prétexte. Devant, attention, Maboulou. Oh, God damn. Oh, God damn. Oh, God damn. Oh, God damn.